Bonjour, je n'y tiens plus. Les vidéos, l'assistance vidéo est officiellement fonctionnelle. Aujourd'hui, on en a une quinzaine de vidéos sur le bordereau en lui-même. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le bordereau. À chaque fois que vous avez des petits symboles en fait de lecture, alors vous passez juste la souris dessus et vous avez l'adresse. Dans l'Earnybox, alors je vais vous montrer l'interface l'Earnybox sur laquelle vous pouvez trouver les vidéos d'assistance. Donc là, l'adresse, c'est l'Earnybox, vidéo d'aide, aide au bordereau, feuille d'un échantillon descriptif. Et chacun de ces petits symboles, vous allez avoir une vidéo qui va vous donner l'essentiel de l'utilisation de cette partie du bordereau. Alors, vous l'avez sur le bordereau, sur la feuille d'un échantillon. Alors, j'ai oublié de. Bon, vous l'avez sur la feuille donner chantier, se servir de la logistique, la fourniture, la mise en œuvre, la direction de chantier, affichage émo et affichage artisan. Donc, à chaque fois, ce sont ces petits symboles. Si vous cliquez dessus, vous allez tout simplement à la page qui va vous permettre d'accéder aux différentes assistances vidéo. Donc, vous avez la mise à niveau Excel si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Je vous la conseille fortement. Ça va vous donner vraiment l'utilisation des outils, des fonctionnalités telles que trier, filtrer, les tableaux croisés dynamiques, le masquer les colonnes, grouper les colonnes, copier des colonnes, copier des lignes. Donc vraiment tous les aspects vraiment liés au fonctionnement d'Excel. La formation initiale au bordereau. On est en fait sur 8h30 de formation. Donc là, je crois que sur la première vidéo, vous avez environ 2h30 de formation. Sur la formation initiale, vous êtes sur environ 8h30 de vidéo où je vous explique pas à pas le fonctionnement du bordereau, l'état d'esprit du bordereau, comment il est né et comment on s'en sert dans des situations de tous les jours. La seule chose qui ne va pas être comprise dans cette formation initiale, c'est la gestion financière pendant chantier. Sinon, vous avez dans cette formation initiale, partir de zéro jusqu'à suivre un chantier avec des checklists. Tout est expliqué, la notion de topic, les priorisations avec les colonnes. Hop! Avec les colonnes arbitrage architecte, arbitrage MO, peut-être que dans les vidéos ça s'appelle un peu autrement, mais c'est au même endroit. Le bordereau évolue. Sachez que ce bordereau évolue grâce à vous, utilisateurs. Donc vous nous faites des retours et nous, on fait évoluer le bordereau parce que vous avez tous des situations un petit peu spécifiques. Bien que le bordereau soit déjà extrêmement compétent, il y a toujours des petits ajustements à faire. Surtout, n'hésitez pas à nous en faire part parce que on fait évoluer le bordereau. Alors, je retourne ici et puis vous avez les vidéos d'assistance, les vidéos d'aide. Là, en fait, bah, un peu partout, je n'en suis qu'à 15 vidéos. On est début janvier 2018. Je n'en suis qu'à une quinzaine de vidéos. Donc, par exemple, chez l'artisan, il y a une vidéo. Il y a une vidéo pour l'ordre de service, d'accord? Donc on voit l'adresse s'afficher, je vais vous montrer après l'interface. On a une vidéo pour la situation financière, je vous ai fait vraiment dans un premier jet, je vous ai fait les vidéos les plus importantes, les postes, les feuilles les plus importantes, et l'avancement, voilà. Alors, si vous voulez, on va regarder tout de suite l'interface. En fait, à partir du moment où vous allez vous abonner, où vous allez acheter la formation, vous aurez accès à cette interface personnalisée. Et ici, on est dans l'interface des vidéos d'aide. D'accord? Donc, aide au bordereau. Donc, ici, vous voyez, on est sur les généralités de la feuille donnée chantier, comment on se sert de l'espace descriptif. La logistique, la fourniture, la mise en œuvre, direction de chantier, affichage MO et affichage artisan. Donc, si je fais le pendant, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est les vidéos qui sont là, hein. Le général, le descriptif, logistique, fourniture, machin. Donc, c'est chaque petit truc rouge. Donc, vous voyez, vous regardez ici, je laisse ma main, je vois que c'est marqué.
vidéo d'aide, aide au bordereau, feuille, mince, feuille données chantier, affichage MO. D'accord? Donc je retourne ici, feuille données chantier, donc aide au bordereau, feuille données chantier et affichage MO. Voilà. Et ici, j'ai une vidéo de 8 minutes. Je vais à l'essentiel. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire des messages. Vous avez un petit espace pour vous, parce que c'est vraiment un espace personnalisé. Donc, vous pouvez mettre des notes sur chacune des vidéos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre... Donc, ensuite, les localisations. Donc, effectivement, pour les localisations, je vous donne les clés pour bien lister les localisations, les trier dans l'ordre alphabétique, être efficace avec ces localisations. La notion de retour d'expérience, la notion de REX et comment on s'en sert pour démarrer un chantier, pour démarrer un bordereau, pardon. Renseignement acteur, donc effectivement, dans le bordereau, on embarque un répertoire, celui que vous allez pouvoir télécharger. Donc je vais vous montrer comment on le télécharge, bien sûr, le bordereau, hein, dans cette vidéo. Vous avez un répertoire où vous pouvez mettre les entreprises avec qui vous travaillez régulièrement et ensuite le pool d'artisans, les artisans que vous souhaitez proposer, que vous souhaitez suggérer fortement aux entreprises. Espace artisan, c'est ce que je vous ai montré, hors de service et situation financière. Alors le bordereau en lui-même, le fichier, donc ce fichier-là, hein, ce fichier vierge est prêt à l'emploi. Vous allez sur solutionatso.fr, donc il est ici, voilà, solutionatso. Et vous allez dans les outils, et ici, Dropbox, vous demandez par mail, donc hop, comment avoir accès, vous cliquez ici, et vous demandez par mail l'accès à Atso Toolbox. Alors Atso Toolbox, c'est un dossier partagé, alors ça c'est mon arborescence, Atso Partage et Atso Toolbox. Donc là vous avez tous les outils Atso que nous vous proposons, voilà, dont le bordereau. Donc c'est ici que vous allez pouvoir télécharger ou synchroniser la Dropbox et vous aurez le fichier. Donc c'est là que vous allez pouvoir retourner aux vidéos d'aide et vous inscrire aux vidéos d'aide. Vous avez Atso VIP sur lequel là on est sur un abonnement et l'encyclopédie Atso qui est en train de se monter, donc pour l'instant on n'en parle pas trop. Voilà, dans Atso Toolbox vous avez aussi un bordereau complété, comme ça vous donne un exemple de ce que c'est qu'un bordereau qui est en cours de fonctionnement en fait, et donc voilà. Je pense que je vous ai montré l'essentiel, donc on est très fiers de ces outils. Rappelez-vous, hein, vous avez la communauté Atso, d'accord? Communauté Atso, solution numérique pour les architectes. Donc rejoignez-nous, posez des questions. Vous avez les après-midi performance, donc là je vous invite fortement à vous inscrire, c'est à Paris pour l'instant. Et la prochaine c'est le 11 janvier. Bon, je sais que la vidéo elle est vouée à rester longtemps, mais à la date à laquelle je fais la vidéo, la prochaine après-midi performance c'est le 11 janvier. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur Communauté Atso, on s'échange plein de tuyaux sur la construction. Voilà, je vous invite fortement à nous rejoindre et bienvenue dans cet univers Atso qu'on est très heureux de faire partager à tous les amoureux de la construction, tous les passionnés du plan, tous les fous de l'espace, enfin voilà. Allez, à très très bientôt, en venant au moins télécharger, il est où, il est là, en demandant au moins l'accès à la toolbox. Et puis je vous rappelle que sur le fichier Excel, pour accéder aux vidéos et à votre espace personnalisé d'assistance vidéo, c'est donc ici, hein, vous pouvez être même à l'accueil, aide vidéo, et vous avez juste à cliquer là-dessus, à vous enregistrer, et vous avez accès à un outil absolument formidable, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé, je suis toujours très heureux de l'utiliser, et beaucoup d'architectes nous disent la même chose. Alors pourquoi pas vous? Voilà, téléchargez, venez nous voir, posez plein de questions, le téléchargement
du fichier, enfin l'accès à la toolbox, je vais y arriver, l'accès à la toolbox est offert. C'est gratuit. Foncez, on vous attend. À très vite!